Yo tout le monde, c'est Kylera, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez eu dans le titre d'aujourd'hui, on est sur une vidéo un peu particulière, mon petit Michel, puisque je suis en compagnie du démon. Alors le démon, comme on l'appelle dans le métier, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos sur les réseaux sociaux, je ne sais pas pourquoi vous n'étiez pas là, tout simplement. Le démon, montre le démon qui est en toi. Mais aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing assez particulier puisqu'on n'est pas avec Woodbox pour le coup. C'est pas un unboxing de type humain, c'est un unboxing de type pour chat. La Mio Box c'est une box assez cool puisque c'est une box 100% pour les chats. Donc à l'intérieur elle peut contenir des produits alimentaires mais aussi des jouets pour nos petits matous. Et bah du coup on va faire le premier unboxing aujourd'hui avec Oreo. Donc j'ai hâte de voir ça, il est grave, il est hyper attentif. Il sait que je pense que la box c'est pour lui. Et j'ai l'habitude de recevoir pas mal de colis, à chaque fois je lui laisse les cartons pour qu'il joue avec. Donc là je pense qu'il voit le carton, il est en mode s'il te plaît je peux. Donc là on va l'unboxer maintenant, j'ai mis une petite chaise sur le côté pour qu'il puisse se poser. Et on va unboxer ça ensemble les amis. Donc bah noir sur noir c'était peut-être une connerie de faire ça. Donc Loulou on va regarder ça ensemble, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc la box se présente comme ceci, elle est assez cool en carton. On va voir ce qu'elle contient puisqu'à l'intérieur voilà. Je pense que c'est ce qui l'intéresse le plus hein. C'est ce que ça contient finalement. Mon Loulou tu veux savoir ce que ça contient? Donc on va regarder. Donc la box est assez cool puisque c'est un système d'abonnement tous les mois, un petit peu comme les systèmes classiques de toute façon d'abonnement sur les autres box. Et à l'intérieur c'est hyper personnalisable en fait, vous allez donner des informations sur votre chat en fait. Et bah, du coup la box va être personnalisée entre guillemets pour le matou que vous allez avoir. Donc en fonction si c'est un poil long, un poil court tout simplement. Attends, mon loulou, attends, j'ai pas envie de lui couper une moustache en fait. D'ailleurs en parlant de moustache, il y a un truc assez rigolo, derrière il y a une petite moustache. En mode, vous pouvez couper la moustache et puis lui mettre. Je pense que bon, ça marchera pas avec lui. On ouvre. Il est en mode, s'il te plaît. Attention, on va découvrir tous ensemble du coup ce qu'il y a à l'intérieur. C'est la première fois que je fais ça, hein, donc... Oh là là, alors là, il est en mode, s'il te plaît, il y a des trucs qui doivent être trop cool à l'intérieur. Alors attends, attends mon petit pote, attends mon petit pote. Donc, le Miaou Mag, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, il va tellement être content. Oh. Mais attendez, là, vous l'avez refait, cette box. Donc, Miaou Mag, on lit d'abord le mag, j'imagine, Oreo. Tu veux pas qu'on lise le mag dans un premier temps? Je comprends pas. Donc, du coup, on a un Miaou Mag. Alors, qu'est-ce que ça... Ah, c'est cool. En gros, ça parle de la technologie, des futures technologies. Genre, une gamelle qui reconnaît la bouille de votre matou, c'est possible. Ah, t'es trop lourd. Association Adopt for Life. Oh, c'est assez cool. Les matous convaincus par la... prose de grimpe positive. Ah mais c'est bien en fait, ça parle, en fait c'est vraiment un journal, un petit mag en fait qui parle de tout ce qu'il y a je pense au niveau de l'avancée technologique. Genre voilà comme là on l'a vu avec les gamelles, ça parle aussi je pense de nourriture et de plein de choses cool sur les chats. Donc ça c'est sympa, je vais le lire après justement. Je vais checker après. Donc qu'est-ce qu'on a dans un premier temps sur la Miaou Box mon petit pote? Ici filet de poulet, ah ouais, non mais attendez, attendez tout ce qu'il y a dedans, c'est ouf. Alors filet de poulet, Oreo, t'aimes bien ou pas? Alors attends, on va regarder mon petit pote, on va regarder. Attends, tu veux pas qu'on regarde? Alors, aliment complet, attends, mais il est trop hypé, il en mode mais c'est des ouf. Aliment complémentaire pour chat, filet de poulet, c'est filet de poulet constitue une friandise tendre et savoureuse. Alors, viens, on va essayer. Regardez, ça se présente comme ça. Alors, pour nous les humains, c'est pas ce qu'il y a de plus appétissant, hein. Mais du coup, on va lui donner déjà un petit filet de poulet. Il est gentil, il est cool pour le moment, donc on va lui en donner un. Il a pas encore mangé, il mangera ce soir de toute façon à 19h, mais on va déjà lui en donner un. Ah bah écoutez, je peux le déchirer depuis là. Les odeurs, il va péter un câble. On va voir, on va l'ouvrir. Ça se trouve, il va rien sentir, il s'en fout total. Ça sent bon. J'ai pas pris de gamelle, mais j'étais pas prête moi, je savais pas que c'était ça. Et ça, est-ce que t'aimes bien? Est-ce que ça peut être bon? Ah! Ah! Je crois qu'il aime bien! C'est cool! T'aimes bien mon loulou? Bah voilà! Ah! Enfoiré! Il l'a piqué! J'aurais dû faire une autre technique. Je me ferai pas avoir pour la prochaine fois. J'aurais dû filmer avec mon téléphone, genre à 19h lui mettre, ou tout à l'heure dans sa gamelle. Parce que là, c'est vraiment un petit malin. Il est en train de le manger complètement. Il est en train de le dévorer, mais il est en train de le traîner dans tout mon bureau. Du coup, il me dégueulasse tout mon bureau. Et j'avais pas préparé de feuilles, tout ça. Donc là, il va falloir que je m'essuie. Bah, en tout cas, il aime bien. Donc, au cas où, pour ceux que ça pourrait potentiellement intéresser, tout ce qui est filet de poulet, c'est de la marque Riga, du coup. Et c'est écrit Freshly Filet. Donc, ça peut être assez sympa. Ça peut être avec les éclairages, oui, c'est vrai que c'est chiant. Ça peut être assez sympa pour vos animaux. Et je crois qu'il a déjà fini. Oui, donc voilà, on passe
Bah, au prochain unboxing. Yeah. Donc du coup, le filet de poulet, eh ben, j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression que c'est fait. On a encore un autre truc. Alors là, je vais pas lui donner maintenant, ça fait un peu beaucoup. Par contre, je vous filmerai quand il aura ça. Alors, qu'est-ce que c'est, mon petit? Qu'est-ce que c'est? Chicken and mint, poulet et menthe à chat. Les chats aiment la menthe. Surveillez toujours votre animal quand il mange. Veillez à ce qu'il ait de l'eau fraîche. Aliment complémentaire uniquement. À utiliser de préférence avant. Ok, d'accord. Donc ça, je crois que j'avais eu un petit truc par rapport à ça, où on me donnait des petites informations complémentaires par rapport aux produits. Ah oui, par rapport à Riga, du coup, j'avais pas eu l'occasion de vous le lire ça, mais c'est écrit: Riga a plus de 60 ans d'expérience et s'engage à respecter les animaux. Votre chat aussi mérite ce qu'il fait de mieux. Ce qu'il se fait de mieux, c'est pour cela que les produits Riga sont rigoureusement constitués de produits de qualité pour assurer l'apport de protéines dans l'aliment du chat et aider son développement et sa santé à long terme. Freshly filet de poulet composé de 96% de poulet. Le poulet riche en protéines, en vitamines et en minéraux est une viande faible en calories, donc idéale au quotidien. Parce que monsieur est au régime, vous ne le savez pas. Mais il a de la nourriture exprès où il faut faire attention à son poids. En fait, il n'est pas en surpoids, c'est juste qu'il faut faire attention à son poids maintenant qu'il a ses 8 mois tout simplement. Donc, du coup, ensuite, ici. Donc, ça, on lui donnera plus tard. Je vous ferai une petite vidéo de toute façon au moment où il le mangera. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On regarde ça? Est-ce que ça t'intéresse ou pas? C'est la souris. Elle t'intéresse ou pas? Ouais? Tu la veux? Ok, je pense qu'il est d'accord. Je pense qu'il est d'accord pour l'avoir. La prochaine fois, je mettrai un fond plus clair. Attends, mais tu me laisses couper, oui. Voilà. Oh, elle vient de tomber! Et il y a... Par contre, Oreo, il adore faire un truc avec ça. Il adore me ramener ses jouets. Je lui lance... Je sais pas si vous, c'est comme ça. Mais moi, en tout cas, je lui lance ses jouets et il me les ramène. Ben non, mon loulou, t'aimes bien ta petite souris? Tu veux que je te la lance, c'est ça? La technique, j'ai compris. Je te la lance? Je la lance? Ok. Change des petites souris, hein. Ouais, tu me la ramènes, mon loulou? Oui! Je la lance? Je pense qu'on va jouer des heures, là. Je pense vraiment qu'on va jouer pendant des heures et des heures. Je pense qu'il aime bien et qu'il est plutôt fan de sa petite souris. D'accord, ok. Et là, il y en a quelque chose d'autre. Oh, un poisson. On a un poisson juste là. Yeah. On va voir s'il l'aime bien. Laissez ce jeu avec n'importe quel type de jouet seulement. Super. Ouais, ok. Ça marche. Donc, du coup, ce qu'on va faire... Oreo, on va tester un truc. Il a pas de poisson. Il a pas de poisson. La plupart du temps, tous ses jouets, c'est des souris. Il adore les souris. Donc là, c'est pour ça qu'il était trop content. Il a que des petites souris. Donc là, c'est sa première grande souris. Et du coup, il a pas de poisson. Et là, on va tester Oreo. Loulou, ça te parle, ça? Ouais, vous voyez pas ce qu'il est en train de faire, mais c'est épique. Regardez, vous voyez pas. Mais en fait, en gros, il essaye de sortir, d'ouvrir la porte et de sortir. Et là, il me ramène sa souris. Mon loulou, regarde. C'est pour qui, ça? Une souris? Mais oui, mon loulou. C'est une souris. Attends, mais mets-toi devant tout le monde, quand même. C'est une souris, mon loulou. Tic. Tu l'aimes bien ou pas? S'il descend avec, il se taille. S'il se barre avec, c'est que c'est bon signe, il adore. Ensuite, on a quelque chose qui est ici. Une lotion sans rinçage. Extrait naturel de capucine. Nettoie en douceur et désodorise le pelage. What? C'est vachement bien, ça. Lotion sans mode d'emploi, pulvériser la lotion sur le pelage, frotter avec un gant de toilette, puis sécher. Écoutez, on va spray ça juste comme ça, mais sur moi, pas sur lui. On va le spray dans le carton. Je vais juste enlever les deux autres produits. Et on va spray juste dans le carton, juste pour voir l'odeur, ce que ça sent. Donc c'est super parce que, alors, petite anecdote assez rigolote, j'ai essayé de faire prendre une douche à mon chat. À Oreo, j'avais acheté tout ce qu'il fallait, hein, des bons produits et tout, là n'était pas le problème. Mais j'ai voulu lui faire prendre une douche et je crois que c'était pas la meilleure des choses à faire. Du coup, bah voici ce qui s'est passé. Donc il m'a complètement éventré et depuis j'ai arrêté et je cherche justement des produits sans rinçage. Et les lotions que j'avais trouvées étaient vraiment pas ouf. Donc je vais juste le spray dedans pour sentir. C'est con quand même qu'il n'y ait pas les odeurs sur... Ah, ça sent trop bon. Oh, ça sent hyper bon, franchement. Hé, Oreo, t'es cuit là? T'es cuit, mon pote. Ce soir, tu sais d'avance ce qui va se passer. Donc du coup, et qu'est-ce qu'on a après? Vitacraft, poésie, gelée. Oh, c'est mignon. Un cœur.
un petit cœur. Alors, gibier en gelée de Cranberries, aliment complet pour chat adulte, composition, viande et sous-produits animaux, substances minérales, fruits Cranberries, ok, à utiliser avant, ok. Et ce sont des recettes équilibrées et naturelles en gelée, en sauce ou bien en terrine, sans sucre ajouté, adaptées aux besoins nutritionnels de tous les chats. Retrouvez différentes recettes à base de viande, de poisson ou de légumes. Ces barquettes sont riches en fibres et sans céréales, favorisant ainsi la digestion du chat. En plus des barquettes, VitaCraft propose des sachets fraîcheurs, pardon, ou des mousses. Une savoureuse nourriture humide et avec de véritables morceaux de viande de qualité accompagnés d'une généreuse sauce. Là, vous ne voyez pas, mais il est en train de jouer, il est à fond avec ses jouets. Là, il est en mode, maintenant, vous me laissez tranquille. J'ai eu ce que je voulais, vous me laissez tranquille, maintenant, c'est terminé. Donc, du coup, ça, on lui donnera aussi un autre jour et je filmerai ça. Ça, je pense... Je pense que, parce que j'ai pas envie de lui donner trop de trucs vu que je fais attention, ça pourquoi pas lui donner tout à l'heure pour tester, on peut lui en donner, hein, pour essayer, et peut-être sinon il y a, à la place de sa pâté qu'il aura ce soir, bah, il aura ça, tout simplement. Ah si, attends, ah si, c'est bien. Bon, bah, je crois qu'il aime bien, bon bah il kiffe, mission réussie, Captain, on l'a réussi. Donc spécial chat, 30 millions d'amis, donc on avait un petit livre avec mon chat quel félin, 40 pages pour tout savoir sur lui. Nice. Ah mais c'est super. Ok, donc on a plein d'informations en plus de ça sur les chats. Wow, regardez-moi ça. Attendez, vous allez pas bien voir. Wow, magnifique. D'ailleurs prochainement, Oreo a un nouveau frère, un nouveau pote. Et en fait, son nouveau pote c'est un Maine Coon. Et spoil, il s'appellera Odin. Et ouais, et donc du coup on a plein d'informations sur les races de chats, sur nos petites boules de poils, on a plein de petites infos assez cool, on a même un DIY pour lui faire genre une petite tente en mode, ah mais c'est cool, ah faut que je regarde, pourquoi pas la faire, vous savez que j'aime bien faire des DIY, donc ouais, pourquoi pas faire ça, donc on a plein d'informations assez cool, et le Miaou Mac du coup je vais re-regarder encore une fois pour voir un petit peu de quoi ça parlait plus exactement. Ah mais ça fait un petit peu comme les box classiques, voilà, qu'on peut retrouver bah, pour nous, classiquement parlant. En fait on a des infos à l'intérieur avec ce qu'il y avait tout simplement dans la box, donc c'est assez cool. Je sais que ça change un petit peu ce type de format, vous avez plus l'habitude à des jeux vidéo tout ça, mais vous savez que j'aime bien diversifier la chaîne, et je trouve ça vraiment cool pour le coup qu'il y ait vraiment des entreprises qui pensent à nos petits potes, les animaux. Je sais que Miaou Box font aussi les Woof Box, je trouve vraiment que le concept Miaou Box, Woof Box et les autres box qui puissent exister pour les petits animaux sont hyper cool, franchement pour nos petits potes ça fait toujours plaisir, je dis petits animaux mais attention hein, genre un berger allemand c'est pas petit, mais pour nos petits potes je trouve ça vachement cool, c'est pas que des box qui nous sont finalement destinés à nous, il y a vraiment des box qui existent du coup pour les animaux et c'est vachement cool. Oreo a donc son code promo les potes, et oui ça vous donne 5€ de remise immédiate sur votre première commande. Alors ça fonctionne pour la Woof Box mais aussi pour la Miaou Box, de toute façon je vous mettrai les deux liens si vous voulez dans la barre d'infos. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez le concept cool, est-ce que pour vous vous trouvez ça cool justement qu'il y ait des box qui soient dédiées aux animaux, à nos petits potes, voilà comme je le dis, et ça nous donne la possibilité de découvrir peut-être des choses sur lesquelles bah on se serait peut-être pas forcément penché, et finalement on va les tester dans la box, on va dire bah en fait il aime bien et c'est vraiment pas mal, donc peut-être que ça va nous faire découvrir voilà des nouvelles gammes de produits. Donc les potes, je vous fais à tous de très très gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez vraiment pas à me donner vos avis dans les commentaires, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et à ce soir à partir de 21h pour un nouveau live. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude aux réseaux sociaux, c'est très important. Allez, ciao tout le monde.